Hello les amis, c'est Mitrap Nomad de Nintendo Alert et Station of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour la quatrième et donc dernière partie de la quête, l'appel des profondeurs. Donc il y a trois vidéos précédentes où je vous montrais donc comment débuter cette quête, où se trouvaient les yeux, le cheminement pour aller les placer, etc. etc. Alors, le dernier œil, je vais vous faire un mea culpa, mais en tant que joueuse de Breath of the Wild, grosse joueuse qui a fait des centaines d'heures sur le jeu, vous savez très bien, quand on voit un mur avec des pierres à exploser, c'est un réflexe, on ne pense même pas, on l'explose. Donc il y avait des pierres ici, et sans réfléchir, je ne vous ai pas attendu, et j'ai explosé le mur. Bon, alors il y a un orage, bien évidemment, hein, parce que ça aurait été dommage de nous laisser un peu tranquille. Donc allez, je retire tout mon équipement. Donc là, vous, il vous faudra tout simplement. Mais je suis sûre que si vous êtes des joueurs de Breath of the Wild, vous allez tirer sur le mur sans même vous en rendre compte. Donc allez, on le jette dans l'abîme. Hop, on se jette nous-mêmes dans l'abîme est du prélude. Alors, je sais pas si... J'ai l'impression, en fait, que... Il faudrait que je check, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de similitude avec les sanctuaires qu'il y avait dans Breath of the Wild au prélude. Je sais pas, après, c'est peut-être mon imagination, mais je vois plein de petites similitudes. Je vérifierai ça plus tard. Allez, on est dans les profondeurs. C'est moins qu'on puisse dire. Voici mon œil. Je vais faire de... Ben, je vais remettre mes équipements déjà. Ce serait déjà pas mal. Hop. De quel mettre celui-là. Allez, c'est parti pour faire de la lumière. Hop. Mais... D'ailleurs, j'ai oublié et je m'en excuse. Bon, c'est un peu trop tard, mais hein. Hop. Bon, allez, on ramasse les esprits. Encore faire un peu de lumière par ici. C'est vraiment ultra sombre. Allez, on va pas en faire plus que nécessaire. On va se rendre immédiatement au wagonnet. C'était évident, hein, de te faire agresser par l'espèce de... Je pense que c'est une espèce de punaise. Je sais pas ce que c'est que ces horreurs. C'est des grenouilles, je ne sais rien. Ah. Allez. Retourne chez ta maman. Oh, en plus, ils te lâchent pas, mais ils viennent en meute ou quoi? Tu me lâches, oui? Tiens. Bon, ça fait toujours du sonium, hein, direz-vous, mais bon, on n'est pas là pour ça. Je disais donc. Ah ouais. C'est difficile, hein, de se concentrer. Bon, les armes qui pètent, l'orage, tu te fais agresser de tous les côtés. Non, je vais mettre celui-là plutôt. Allez. Je les ai tous tués, non, celui-là que je parle. Ça y est, c'est bon. On me laisse tranquille. C'est bon. Ou pas. Alors, bon. Il y a donc le wagon qu'on va mettre sur les rails. On va chercher... Bon, qu'on va mettre sur les rails, j'ai dit. On va chercher une turbine. Est-ce que ça, c'est les pneus? On n'a pas besoin. Sonium. Hop, une turbine.
mettre à l'arrière. Hop, je prends mon œil que je, moi je colle systématiquement en fait comme vous voulez. Hop. Et c'est parti. Donc on traverse l'obscurité. Bon, j'ai une racine là-bas. Bon après évidemment il faudra ouvrir toute la map. Hein. Et nous voici arrivés. Je récupère l'œil. Et vous voyez là c'est tout simple. Hein. On y était déjà allé dans les vidéos précédentes, donc c'est juste ici. Et on arrive en. On n'arrive même pas à la fin de cette longue quête parce que c'est en plusieurs parties. Mais je ferai d'autres vidéos pour le reste parce que c'est encore ultra long. Allez, je pose l'œil. Dans son réceptacle, ce qui va clore la première partie, enfin ça va clore la quête, l'appel des profondeurs, mais ça va en déclencher une autre. Donc alors elle est très très longue cette quête. Elle est assez complexe, mais ça vous donne quand même soit un réceptacle de cœur, soit un réceptacle d'endurance. Donc c'est pas rien. Moi je suis full en endurance, donc forcément je prends un cœur. Et un cœur de plus. Donc voilà, l'appel des profondeurs est terminé. Je vous prépare bien évidemment une autre vidéo pour la quête qui suit, qui est également extrêmement longue. Si vous avez apprécié ces 4 vidéos, si vous avez apprécié cette solution, si cela vous a aidé, n'hésitez surtout pas à commenter. Vraiment, c'est, je le dis tout le temps, mais on lit, on adore lire vos commentaires, on adore y répondre. Ça nous fait énormément plaisir à commenter, à liker, à vous abonner et on sera ravis. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle solution. Bye bye les amis.